européens. Voyez par exemple l'Espagne qui a fait le pari des énergies renouvelables, l'Espagne qui a investi dans la construction d'éoliennes. Nos envoyés spéciaux en Catalogne, Diego Garcia et Frédéric Faure, nous expliquent comment ce pays espère produire de plus en plus d'électricité à partir du vent. À une heure de Barcelone, certains vieux villages côtoient de drôles de moulins à vent. Un design épuré. Des monstres de technique pour capter une énergie inépuisable, venue du ciel. Dans ce champ éolien, 91 géants de 50 mètres de haut. Les pales de leur rotor ont 44 mètres d'envergure. Elles moulinent jour et nuit et s'adaptent à la vitesse du vent. Production du lieu, 30 mégawatts de quoi alimenter en électricité une ville de 80 000 personnes. L'énergie éolienne est l'une des moins polluantes. Pas de contamination, pas d'émissions de CO2. L'autre aspect est politique et social. Aujourd'hui, 50 000 personnes en Europe travaillent dans le secteur de l'énergie éolienne. C'est peut-être un exemple à suivre pour le futur. L'entreprise de M. Martinez a le vent en poupe. Avec 30% de croissance par an, elle emploie 120 personnes et embauche régulièrement. Chaque jour, une éolienne sort de l'usine. Délai d'installation, une journée. Danemark, Allemagne et Espagne représentent à eux seuls 80% du parc éolien installé en Europe. Aujourd'hui, en Espagne, 1% de l'électricité est produit grâce aux énergies renouvelables. L'objectif est d'atteindre 12% en 2010. C'est avant tout un choix politique. La volonté politique existe depuis très longtemps. Dans les années 80, déjà pendant la crise du pétrole, on réfléchissait aux énergies renouvelables. Mais c'est surtout depuis 6 ans qu'on a décidé de promouvoir cette technique, en particulier pour l'environnement. Si l'Espagne a fait le pari de l'énergie renouvelable, c'est d'abord pour son coût. Nous sommes loin du nucléaire. C'est aussi pour développer un savoir-faire, donc l'emploi. Ici, l'avenir passe par ce type d'énergie. Un avenir très clair, parce qu'on est limité par le système énergétique qu'on a maintenant, qui produit de gaz d'effet de serre, de la pluie acide et des déchets radioactifs. Et si l'humanité a besoin d'énergie, elle doit faire l'option pour des énergies renouvelables et propres. L'énergie propre, c'est aussi le solaire. La mairie de Barcelone installe actuellement 1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur ses bâtiments. Pour l'heure, il ne s'agit pas de faire des économies, mais de montrer le chemin par l'exemple. En 2050, les énergies douces représenteront en Europe 50% du total des énergies. Aujourd'hui, en Espagne, Don Quichotte n'irait sûrement pas combattre ses moulins à vent.